CFE, CGC, UNSA, mieux comprendre l'entreprise pour agir ensemble. Tout à fait dans le cadre de ce que nous avons et ce que nous ressentons dans notre à France Télécom, disons, dans notre société. Voilà, je vous laisse vous présenter, monsieur de Golejac. Vous préférez ce micro-là, peut-être ? Bon, ça m'est égal. Celui-là plus facile à gérer. Hein. Voilà. S'il vous plaît, merci. Eh bien, bonjour, je suis content de vous rencontrer. Je ne sais pas si vous savez qui je suis. Peut-être certains ont déjà lu des ouvrages, d'autres non. Je suis sociologue. Je me définis comme sociologue clinicien. Ça veut dire quoi, sociologue clinicien? Ça veut dire sociologue qui s'intéresse à la dimension existentielle des rapports sociaux, qui essaye de comprendre la société en intégrant dans cette compréhension la façon dont les gens la vivent. C'est pas loin de la psychosociologie ou d'une certaine psychosociologie. Et j'ai en fait le point de vue que je vais développer ici par rapport à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail vient de loin. J'étais dans les années 68, je me demandais un peu ce que j'allais faire de ma vie. J'avais fait du droit. Bon, je m'ennuyais à mourir chez un conseiller juridique. J'ai démissionné le 28 avril 68. Puis après est arrivé mai 68. Et puis en octobre, je me suis inscrit à Dauphine. Dauphine, c'était les deux universités qui avaient été créées par Edgar Faure après les événements de mai 68. Edgar Faure, ministre de Gaulle, est chargé de la réforme universitaire. Et il avait créé deux universités, Vincennes, dans le bois de Vincennes, l'université des gauchistes, où il y avait la psychanalyse, la sociologie, Derrida, Castel, Lacan, etc. Et puis Dauphine au bout de l'avenue Foch, dans le 16e arrondissement, ce qui n'était pas à l'époque une université de gestion, qui était une université de sciences des organisations. Et c'était très intéressant parce que le projet scientifique de Dauphine, c'était de comprendre un phénomène social nouveau, enfin nouveau, qui existait depuis très très longtemps, mais que les scientifiques n'avaient pas vraiment encore étudié, qui était l'organisation. C'est quoi une organisation? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça produit? Etc. Et il y avait trois disciplines de base, qui étaient les mathématiques, l'économie et la psychosociologie. La gestion n'était pas considérée par les deux fondateurs de Dauphine comme des sciences. Et donc j'ai vu l'émergence de cette bizarrerie qui sont les sciences de la gestion. Pourquoi je dis bizarrerie? Parce que la gestion, en fait, c'est pas fait pour comprendre ce qui se passe dans les organisations, c'est fait pour optimiser le fonctionnement des organisations afin de les adapter aux objectifs qui leur sont fixés. Ils appellent ça des sciences de l'action. Effectivement, au service de l'action, donc au service du pouvoir, de ceux qui fixent les objectifs. Et donc j'ai vu comment Dauphine, une université, en quelque sorte, a été contaminée par l'idéologie gestionnaire. C'est un peu bizarre de dire la gestion est une idéologie parce qu'il n'y a rien de moins idéologique que la gestion. Il n'y a pas une gestion de droite ou une gestion de gauche. Il y a une gestion efficiente ou une gestion qui ne l'est pas. Ça n'a rien à voir avec ses idées politiques, etc. Donc on est là dans le pragmatisme, dans le positivisme, dans l'utilitarisme. Ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est pas bien. On est dans l'approche solution.
Ce qui nous intéresse, c'est pas de comprendre ce qui se passe, ce qui nous intéresse, c'est de répondre aux problèmes de façon pragmatique et efficace. Et en fait, j'insiste là-dessus parce que c'est un enjeu tout à fait important par rapport, par exemple, un exemple comme celui-là. Je ne vais pas vous parler de France Télécom, si vous voulez bien. Je vais vous parler en général de ce qui se passe dans les transformations des organisations. Peut-être c'est un rapport avec France Télécom. On verra ça peut-être dans la discussion. Donc simplement de dire que la difficulté aujourd'hui de comprendre ce qui se passe, par exemple les risques psychosociaux, le mal-être au travail, etc., et le fait qu'on répond en termes de prescriptions, de référentiels, de solutions, etc., mais on n'essaye pas vraiment de comprendre le problème. Et ce que je voudrais aborder ici comme sociologue, c'est vous aider et vous essayer de vous partager avec vous un certain nombre d'hypothèses que j'ai faites. C'est pour ça que je vais parler un peu de ma trajectoire. Et comme responsable du laboratoire de changement social aujourd'hui à l'Université Paris Diderot, donc j'ai beaucoup de doctorants et de chercheurs que j'ai formés qui travaillent sur ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail? Est-ce qu'on peut comprendre ces transformations et ces mutations qu'on a vues depuis une trentaine d'années dans le monde du travail? Et la chance que j'ai eue comme jeune chercheur après mon doctorat à Dauphine, c'est de faire avec Max Pagès, qui avait le laboratoire de changement social à Dauphine, qu'il avait fondé là-bas, il y a maintenant en 70, donc ça fait 43 ans que ça dure cette histoire. On a fait une recherche sur le pouvoir dans les organisations, et à l'époque, comme sociologue, quand on voulait faire une recherche sur le pouvoir dans les organisations, je peux vous dire qu'on n'était pas très très bien reçu par les patrons, et qui ne faisaient pas vraiment la différence entre socialiste, sociologue, gauchiste, le 22 mars, Cohn-Bendit, tout ça, etc. Donc on n'arrivait pas à trouver de terrain, on aurait voulu faire cette recherche à Renault, à Flins, dans la sidérurgie, la métallurgie, au cœur du capitalisme industriel. Et puis on n'y arrivait pas, et puis on a rencontré un DRH qui avait fait de la dynamique de groupe avec Max Pagès. Max Pagès était un psychosociologue qui a introduit la non-directivité, la dynamique de groupe en France. Et un DRH, on n'avait jamais entendu parler de ce terme-là, directeur des ressources humaines. C'était tout à fait nouveau. Et c'était un DRH d'IBM. Et IBM nous a ouvert ses portes et on a fait une recherche tout à fait fascinante et passionnante pour essayer de comprendre ce que disait ce DRH quand il disait chez nous, il n'y a plus d'antagonisme entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt du salarié. On joue gagnant-gagnant. Comme sociologue, on était un peu sceptique par rapport à cette proposition, et donc on est allé y voir, et on a écrit un livre qu'on aurait voulu appeler TLTX, mon amour. Pourquoi ? Parce qu'on avait appelé IBM TLTX, et on s'était rendu compte en fait que le rapport des employés de IBM, quel que soit leur niveau hiérarchique, par rapport à l'organisation, était un rapport de fascination, un rapport qui jouait sur les mêmes processus que le rapport amoureux. Ils projetaient leur idéal sur l'organisation et ils introjectaient, ils prenaient en eux, ils incorporaient les exigences de l'organisation comme un idéal et effectivement, ils y croyaient de jouer gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'ils allaient se réaliser eux-mêmes par un investissement dans le travail et en particulier par rapport à un dispositif tout à fait nouveau à l'époque qui était le management par objectif, c'est-à-dire ils incorporaient les objectifs qui leur étaient donnés par l'organisation et quand ils réalisaient leurs objectifs, ils étaient dans la toute-puissance et dans le bonheur absolu et quand ils n'arrivaient pas à réaliser leurs objectifs, ils étaient dans l'anxiété, dans l'angoisse. Et donc on a vu plusieurs choses, c'est-à-dire que le pouvoir dans ces organisations n'était plus un pouvoir disciplinaire, un pouvoir taylorien, un pouvoir hiérarchique, comme dans l'entreprise classique avec des patrons, des ouvriers, c'est le patron qui commande, c'est l'ouvrier qui exécute, et puis ça ne se discute pas, et en intermédiaire, il y a des cadres qui sont chargés de surveiller et de punir. Alors, je vais faire un petit peu de sociologie, mais essayez de ne pas trop jargoter. Mais pour qu'on comprenne bien cette transformation, ce que le MEDEF a appelé bien plus tard
en France, hein, dans la révolution managériale. C'est que Michel Foucault avait fait un très beau livre à cette époque, dans les années 70, Surveiller et punir, dans lequel il analysait une forme de pouvoir qui était née avec le capitalisme industriel, qui était le pouvoir disciplinaire. Et Michel Foucault définissait ce pouvoir disciplinaire en disant « Le pouvoir disciplinaire, c'est pour rendre les corps utiles, dociles et productifs. » Et le pouvoir disciplinaire, ben c'est le chef, hein, c'est, ou le prof. D'ailleurs, il montre que cette forme de pouvoir se développe aussi bien dans les usines, dans les collèges, dans les lycées, dans les casernes, dans les hôpitaux, dans toutes les formes d'organisation. Hein, il s'agit de redresser les corps pour les adapter à une norme qui est fixe. Il travaille par exemple sur les maisons de redressement, où on met les jeunes qui sont inadaptés, qu'on va redresser pour leur faire intérioriser la norme. C'est ça le système disciplinaire. Et il définissait ce système en disant c'est pour une bonne part comme force productive que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination. Le corps ne devient force utile que s'il est à la fois corps productif et corps assujetti. Donc il s'agit, hein, de canaliser l'énergie physique pour la transformer en force de travail. Si vous avez vu Les Temps modernes de Charlie Chaplin, vous voyez exactement de quoi il s'agit. Mais pour tous ceux qui sont d'une culture ouvrière, etc., je veux dire, jusqu'à une période très récente, hein, c'est effectivement ces formes de pouvoir, hein, d'assujettissement du corps pour l'attacher à la chaîne, hein, à un travail qui a été prescrit, normalisé, et il faut adapter le corps à la machine. Eh bien, dans cette organisation, cette multinationale, IBM, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait eu un déplacement de l'objet du pouvoir, et que ce n'était plus tellement le corps qui était l'objet du pouvoir disciplinaire que la psyché. Il s'agit de canaliser l'énergie psychique pour la transformer en force de travail. C'est pour ça que l'organisation devient une machine à produire du plaisir et produire de l'angoisse. Si je reprends la phrase de tout à l'heure de Michel Foucault, je dirais « C'est pour une bonne part comme force productive que la psyché est investie de rapports de pouvoir et de domination. La psyché ne devient force utile que si elle est à la fois énergie productive et énergie assujettie. » C'est ça qui explique pourquoi la dimension psychologique va devenir centrale dans le rapport au travail. On ne vous demande plus seulement de faire votre boulot, on vous demande d'adhérer à des objectifs. On vous demande de vous identifier à l'entreprise, à l'organisation. On vous demande d'intérioriser la culture de l'organisation. On vous demande de transformer votre moi en capital qu'il faut faire fructifier. Et ça, c'est au cœur des théories du capital humain. Et pourquoi je vais dire deux mots de ces théories du capital humain qui fondent justement cette transformation, par exemple, du fait qu'on ne parle plus des services du personnel, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de gérer le personnel, leur carrière, etc. On va parler en termes de ressources humaines. Ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est que Madame Thatcher est morte hier. Madame Thatcher, avec Reagan, mais aussi avec Pinochet au Chili, etc., ont mis en place, dans les années 80, une nouvelle politique inspirée par les théories de Milton Friedman en économie, l'ultralibéralisme. Mais ce qu'on a oublié, c'est que c'était inspiré aussi des théories du New Public Management, des théories, hein, de la nouvelle gestion publique de Gary Becker, etc., qui sont nés exactement au même endroit que les théories économiques de Milton Friedman et qui ont donné lieu à cette transformation, hein, à l'émergence de ce que je vous propose d'appeler l'idéologie managériale, c'est-à-dire une nouvelle conception du pouvoir à l'intérieur des entreprises. Et une des caractéristiques, hein, de ce pouvoir, c'est une des illustrations de cette transformation, c'est les ressources humaines, la gestion des ressources humaines.
Et on s'est dit, c'est formidable, parce que la gestion des ressources humaines, un, on remet l'humain au cœur, alors qu'on avait oublié l'humain, parce que le service du personnel, c'était bureaucratique, c'était archaïque. Bon, là, enfin, on remet l'humain au centre, et puis ça faisait moderniste. C'était une façon de moderniser les entreprises, de moderniser la gestion. Et en quoi c'est idéologique ? C'est idéologique dans la mesure où on peut parler en termes de ressources humaines. Ça veut dire que l'humain devient une ressource au service d'une finalité qui est l'entreprise. Donc ce n'est plus l'entreprise qui est un moyen du développement de l'humain, c'est l'humain qui devient une ressource pour développer l'entreprise. Ce renversement des moyens et des finalités est un renversement très radical, puisque il fait de l'humain un moyen et de l'entreprise une finalité. Ce qui me frappe beaucoup, c'est le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de bataille idéologique ou politique autour de ça. Non seulement il n'y en a pas eu, mais il n'y en a toujours pas. Alors que ça a une conséquence évidente, moi à ce moment-là j'étais intervenant dans un certain nombre d'entreprises, à ce moment-là les gestionnaires des ressources humaines ont impliqué les modalités de gestion et les outils de gestion qu'ils appliquaient au capital, à la matière, à la technique, ils l'ont appliqué à l'humain, et les effectifs sont devenus un coût. Vous voyez ce renversement, en fait, l'humain étant une ressource, elle va être gérée comme n'importe quel facteur de l'entreprise, et à ce moment-là, on va appliquer les théories de la comptabilité analytique, etc., à l'humain, et l'humain devient simplement une variable d'ajustement et un coût qu'il faut adapter en fonction des objectifs de l'entreprise, c'est-à-dire en fonction de sa rentabilité, etc. Je ne comprends pas très bien pourquoi cette entourloupe idéologique est passée aussi inaperçue, en particulier du côté d'un certain nombre de partis de gauche, dont on pouvait penser que, je dirais, leur culture marxiste d'origine en particulier pouvait les alerter sur la question des rapports entre le capital et le travail. Et si je reviens à la formule un peu rapide que j'ai employée tout à l'heure, l'idéologie des ressources humaines est dans un contexte sociologique dans lequel chaque individu est renvoyé à lui-même pour être responsable de sa formation, de son devenir, de sa carrière, etc. Et donc ça va se développer avec cette idéologie individualiste de la réalisation de soi-même qui fait que chacun est renvoyé à lui-même par rapport à la place qu'il va occuper dans la société et que le travail va devenir l'élément central qui va permettre aux individus d'exister dans la société et de se réaliser. Et ça met au cœur de la réflexion une contradiction très forte sur le fait que le travail, par rapport à l'analyse marxiste, etc., n'est plus le lieu de l'aliénation, de l'exploitation, etc. Le travail devient le lieu de l'épanouissement de soi, de la réalisation de soi-même, que c'est ça qui va permettre à chaque individu de sortir de sa condition initiale pour pouvoir se réaliser dans la société. Et donc, dans ces entreprises multinationales, ça a marché. IBM à l'époque, je peux vous dire que tous les étudiants d'IBM, tous les étudiants de Dauphine rêvaient d'être embauchés par IBM, parce que IBM c'était le progrès. IBM c'était le progrès technique. IBM c'était l'identification à une entreprise qui était dans la toute-puissance, qui allait conquérir des nouveaux marchés, qui était l'aventure en plus, l'aventure de l'informatique, l'aventure de cette idée qu'on allait se réaliser et réussir sa vie en réalisant sa carrière professionnelle. Et donc, pourquoi on voulait l'appeler TLTX mon amour ? Parce qu'on voyait bien que le rapport à cette entreprise était du même type que le rapport de la passion amoureuse. Les gens étaient amoureux de leur entreprise, amoureux de leur travail. Et il disait des choses comme « c'est formidable parce qu'on est exploité d'une façon agréable ». C'est formidable parce qu'on est libre de travailler 24 heures sur 24. »
C'est formidable parce que je suis mon propre patron. Et il y avait toute une dimension quasi religieuse. C'est-à-dire que, d'ailleurs, chaque manager d'IBM avait sur sa table « the good book », « the Bible », la Bible, et c'était le manuel du management qui avait des valeurs très très intéressantes comme la considération de la personne, la possibilité d'exprimer à tout moment ses difficultés, etc. et d'avoir auprès du management et le droit d'appel qui fait que si son manager au-dessus ne prenait pas en compte celui d'au-dessus, on pouvait aller le voir pour qu'il le prenne en compte, etc. Tout était fait pour produire l'adhésion. Tout était fait pour favoriser l'identification. Tout était fait pour permettre, par exemple, les femmes disaient, c'est formidable à IBM parce qu'il n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes. Et on peut faire carrière, etc. Il suffit de vouloir se défoncer pour faire carrière. L'éditeur, le PUF, les presses universitaires de France, n'a pas voulu qu'on appelle ça TLTX mon amour, disant c'est pas sérieux. Et donc on a appelé ça l'emprise de l'organisation. Qui fait évidemment beaucoup plus sérieux, mais qui est moins poétique comme titre, et d'une certaine façon moins juste. Parce que ce n'est pas une emprise en extériorité seulement, c'est une emprise aussi en intériorité. Alors si vous suivez cette hypothèse qui fait que le pouvoir dans ce type d'organisation, il est internalisé pour une part, ça veut dire ce qu'on avait analysé, c'est que tous les employés d'IBM en fait, avaient la contradiction capital-travail à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y avait une part qui s'identifiait au moi attendu de l'entreprise, c'est-à-dire qui était adaptable, flexible, mobile, centré sur les objectifs, consacré la vie au travail, etc. Et puis il y avait une part d'eux, mais qui était souvent assez refoulée, qui était de dire, bon, oui, tout, il n'y a pas que le travail dans la vie. Comme femme, bah, j'ai choisi ma carrière au détriment de la famille, ou comme homme aussi, mais un jour, je prendrai de la distance et un jour je ferai vraiment ce que j'ai envie de faire, le tour du monde en bateau, d'écrire un livre, de faire de l'art, etc., des choses qui font du sens pour moi. Parce que je sais bien que remplir ses objectifs, ça ne suffit pas pour faire du sens. Et en même temps, ils étaient assez lucides sur des contradictions dans lesquelles ils étaient mis. Par exemple, une contradiction, c'était les formes d'évaluation. Vous étiez évalué A, B, mais vous connaissez ça par cœur. A, B, C, D, E. E, c'était insuffisant. Quand vous travaillez à IBM, vous ne pouvez pas être insuffisant. Depuis la maternelle, vous êtes parmi les meilleurs élèves. Qui sont dans les meilleures classes, qui fréquentent les meilleurs établissements, pour faire les meilleurs prépas, pour aller dans les grandes écoles, pour sortir dans les meilleures places, et vous êtes hyper sélectionné, 2 sur 200, etc. Vous êtes dans l'excellence, vous êtes dans la culture de la haute performance. C'est absolument impensable d'être insuffisant, on oublie. D, c'est « doit faire ses preuves ». Vous êtes jeune, vous venez d'arriver... vous avez eu un accident, la conjoncture a été mauvaise, ça peut arriver. C'est satisfaisant. Alors, excusez-moi, mais satisfaisant, c'est moyen. Et moyen, c'est pas exaltant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire son travail de façon satisfaisante, c'est plus ça qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est B. Well above expectation, vous devez être au-delà des attentes. C'est-à-dire, si on vous donne 100 comme objectif, vous intériorisez en fait que ce qui est attendu pour être reconnu, c'est de faire 110. Donc vous faites 110. Et l'année d'après, vous n'allez pas régresser. Donc le 110 devient 100. Ce qui veut dire que c'est 120 qu'il faut faire, même un peu plus de 120. Et puis l'année d'après, 130. Et donc le paradoxe, c'est que la réussite conduit immanquablement à l'échec. Vous avez des gens qui vous disaient, on a l'impression de monter un escalator descendant. C'est-à-dire, si vous faites seulement votre travail et que vous restez sur place, vous régressez. Donc pour rester à votre place, il faut en mettre un peu plus, en mettre un peu plus. C'est l'exigence du toujours plus. Et c'est ce mécanisme qui fait qu'il y a une pression psychologique,
une pression du travail qui fait que la culture de la haute performance vous met exactement dans la même situation que les sportifs de haut niveau qui sont obligés de faire de l'entraînement, qui sont obligés à un moment donné, pour maintenir la pression et remplir les résultats, on va commencer à stopper, on va commencer à prendre et peut-être même tricher. Le syndrome Lance Armstrong est inscrit structurellement dans cette culture de la haute performance. Et on voit ces cadres qui, à un moment donné, s'écroulent, qui faisaient du burn-out, de l'épuisement professionnel, etc. C'est-à-dire qu'on a vu déjà dans cette entreprise, dès les années 70-80, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux. Le burn-out, la pression du travail, l'épuisement professionnel. Et même, moi, j'ai écrit donc un livre qui s'appelle « Le coût de l'excellence » 10 ans après avec Nicole Aubert, qui est sorti dans les années 80. Vous avez un livre qui s'appelle « In Search of Excellence » en anglais, qui s'appelle « Le prix de l'excellence » en français, de Peter et Waterman, deux consultants de McKinsey, qui vous ont fait un livre en disant « On a analysé les pratiques de management dans les 64 entreprises les plus performantes du monde et on va vous donner les clés de la réussite. » Le prix de l'excellence. Une sorte à la recherche de l'excellence. Et ce livre a été un best-seller et s'est vendu dans des millions d'exemplaires. Et tous les commentaires dans l'Express, dans le Point, il y a Challenge, etc., vous disaient à tous les chefs d'entreprise et aux cadres, aux managers, aux top managers, de dire c'est le livre de référence qui va vous permettre de vous donner les clés de la réussite. Il y a quelque chose qui est passé totalement inaperçu, c'est que 7 ans après, l'un des deux auteurs du livre, Peter, a écrit un autre livre qui s'appelle « Le chaos management », dans lequel il écrit que 7 ans après, sur les 64 entreprises les plus performantes, il y en avait plus de la moitié qui avaient disparu, qui étaient en crise ou qui avaient été rachetées par leurs concurrents. Bonjour l'excellence. Bonjour la performance. Mais non seulement, et il écrit, devenez des fanatiques du chaos. Les champions de demain seront ceux qui sauront vivre dans un monde paradoxal. Parce que le monde qu'on est en train de produire est un monde de paradoxes. Alors, les psychologues vous apprennent que les paradoxes, ça rend fou. C'est quoi un paradoxe? Un paradoxe, c'est je vous ordonne d'être spontané. Soyez autonome. Plus on gagne du temps, moins on en a. Tous ceux qui font, vous voyez ce que je veux dire, avec les nouvelles technologies d'information et de communication, ou le paradoxe de tout à l'heure, vous êtes libre de travailler 24 heures sur 24. C'est-à-dire que ce modèle-là produit, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que plus vous réalisez vos objectifs, plus vous êtes mis en tension par rapport à des objectifs difficiles, et plus vous allez être mis en difficulté, donc la réussite mène à l'échec. De la même façon que l'excellence produit l'exclusion. La Fondation européenne pour le management par la qualité vous propose comme objectif pour toutes les entreprises européennes l'excellence durable. L'excellence durable, c'est typique de la novlangue managériale. C'est-à-dire d'une langue qui contient ce que les linguistes appellent un oxymore. Un oxymore, c'est une expression qui contient sa propre contradiction. Une obscure clarté. Un silence assourdissant. Donc l'excellence durable, c'est un oxymore. Pourquoi? Parce que être excellent, c'est être hors du commun. Et d'ailleurs, dans les grilles d'évaluation, j'ai obligé de parler du A tout à l'heure. Le A, c'est clearly outstanding, clairement hors du commun. Ce qu'on attend de vous, en fait, c'est que vous soyez hors du commun. Si tout le monde... D'ailleurs, donc, il y a deux paradoxes par rapport à ça. C'est comment on fait pour pouvoir être en permanence excellent et hors du commun. On tombe malade. Mais surtout pour la société, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi c'est destructeur. Parce que si tout le monde dans la société devient hors du commun, que devient le monde commun ?
Alors le monde commun, c'est ce qui permet effectivement de construire la société. Hannah Arendt dit la politique, c'est de construire un monde commun. C'est-à-dire un monde dans lequel chacun ait sa place, où on puisse être ensemble. Être ensemble, tous ensemble. Ce mot d'ordre syndical, sans doute, dit bien que l'objectif du travail, de la vie, etc., c'est tous ensemble, c'est-à-dire c'est de maintenir un lien social minimum pour que la société fonctionne. Or là, ce qu'on vous propose, c'est justement d'être hors du commun, donc dans l'excellence, donc de remettre en question ce qui nous est commun là, pour célébrer les performances de ceux qui sont les meilleurs. Et le développement du benchmarking, vous avez entendu parler du benchmarking, j'imagine, c'est-à-dire, si vous avez vu un film formidable qui vous montre ces mécanismes-là de façon très très pertinente, c'est la mise à mort du travail de Jean-Robert Vialet, qui est un film absolument magnifique pour comprendre les liens entre la souffrance au travail au niveau individuel, ces transformations de l'organisation et l'évolution du capitalisme financier. Le benchmarking, c'est les meilleures pratiques. Donc il y a dans ce film, par exemple, deux consultants qui sont absolument effrayants, qui pompent le meilleur vendeur de Fenwick, qui le suivent à la trace pendant une semaine et qui vont transformer sa pratique de meilleur vendeur en prescriptions qui vont être utilisées pour former l'ensemble de la force de vente de Fenwick et qui vont aboutir à augmenter de 30% les performances de cette force de vente et qui va aboutir à la liquidation, licenciement de 30% de la force de vente de ceux qui ne vont pas y arriver, en renvoyant le fait que s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils sont mauvais. Donc c'est de leur faute. Et voyez ce déplacement d'une politique structurelle au fait de renvoyer à l'individu le fait qu'il est responsable du fait qu'il ne remplit pas ses objectifs, et donc que c'est bien normal. D'ailleurs, ils sont tellement dans la honte, un certain nombre d'entre eux, qu'ils vont démissionner avant même d'être licenciés par l'entreprise, parce qu'ils ont tellement internalisé le fait que c'est eux qui sont mauvais, qu'ils se mettent eux-mêmes dans un processus d'exclusion. Ce modèle, né dans les multinationales, a été vendu par les grands cabinets de consultants, Accenture, McKinsey, KPMG, etc., à l'ensemble des fournisseurs et des clients de ces multinationales, par le biais de logiciels SAP ou autres de gestion, c'est-à-dire par le biais de l'installation de nouvelles technologies d'information et de communication qui servaient de soubassement technique à la mise en place de nouveaux outils de gestion pour la gestion des ressources, des ressources humaines, pour la gestion de la logistique, des clients, des fournisseurs, qui en fait traduit l'ensemble de l'activité de l'entreprise en indicateurs de gestion qui sont en fait des indicateurs financiers pour mesurer la rentabilité de l'ensemble du système. Et c'est ce modèle-là qui a été utilisé pour moderniser les entreprises publiques. Vous en savez quelque chose, France Télécom, La Poste, la SNCF, la RATP. Et c'est ce modèle-là qui aujourd'hui est utilisé comme fondement de la RGPP, de la révision générale des politiques publiques, qui consiste à modifier l'ensemble des règles de gestion pour la réforme universitaire, la réforme hospitalière, la réforme de la police, la réforme de la justice, la réforme des ministères, etc., etc., etc. Et la RGPP n'est rien d'autre que l'introduction de ce modèle-là dans la gestion publique, ce modèle-là qui est né dans la gestion privée. Alors, ça permet d'éclairer quelque chose, qui est pourquoi le déplacement de la conflictualité, et c'est bien de ça dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, c'est qu'une des conséquences de ça, c'est que la conflictualité dans le capitalisme industriel, dans les organisations hiérarchiques, pyramidales, où il y avait des chefs, où il y avait des patrons, etc., elle était entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Entre le capital et le travail, entre les patrons et les ouvriers, avec les cadres au milieu qui étaient chargés d'encadrer le travail pour qu'il corresponde bien à ce qui était prescrit.
Ben cette conflictualité, elle se traduisait par un conflit et des formes de lutte dont le symptôme, l'expression, l'illustration principale, c'était la grève. Hein, le seul moyen pour les travailleurs d'obtenir que leurs revendications soient prises en compte, ben, ils arrêtaient de travailler. Et leurs revendications étaient des revendications matérielles, objectives, en termes de salaire et en termes de conditions de travail. Et donc les syndicats se sont construits sur ce schéma d'intervention et d'analyse qui est que, en fait, il faut être le vecteur des luttes et pour arriver à remporter la victoire, ben, il faut mobiliser le maximum de travailleurs, créer un rapport de force, négocier avec les patrons pour obtenir des réponses aux revendications collectives qui vont mobiliser l'ensemble du personnel. Et c'est ce schéma-là qui aujourd'hui est mis en difficulté. Je ne dis pas qu'il n'a plus de validité, mais je dis que tous les syndicats butent sur le fait qu'aujourd'hui, l'essentiel de ce qui se passe fait émerger des nouveaux symptômes. Ces nouveaux symptômes, c'est l'expression d'un mal-être au travail, qui exprime un mal-être psychologique. Le paradoxe, si vous voulez, c'est pas vrai dans tous les secteurs, mais globalement, depuis un siècle ou depuis 50 ans, les conditions objectives de travail se sont formidablement améliorées, alors que les conditions subjectives de travail se sont formidablement détériorées. C'est-à-dire que les gens disent qu'ils se sentent mal, que ça fait plus de sens, qu'ils comprennent plus ce qu'on leur demande, etc. Je voudrais vous lire juste, pour illustrer cette hypothèse, le témoignage d'une femme qui s'appelle Catherine Kokowska. Bon, c'est pas dans l'entreprise privée, mais ça pourrait être dans l'entreprise privée. Elle était à la PJJ, la protection judiciaire de l'enfance, et un matin... je vous lis le texte qu'elle a écrit. C'était un texte qu'elle a écrit en 2009. Le 15 septembre 2009, 8h55, moi, Catherine Kokowska, directrice départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris, enfermée que j'étais dans le travail comme en huis clos, je me jette par la fenêtre de la direction départementale du 3e étage sur cour. Ainsi commence le texte qu'elle va écrire à l'hôpital 3 semaines après son passage à l'acte. Et elle dit elle-même qu'elle a besoin d'écrire ce texte pour ne pas enfouir son passage à l'acte dans les lames de l'oubli et le parler pour en comprendre les raisons profondes et pouvoir recommencer à penser. Ça, c'est très très intéressant parce que dans tous les cas, en particulier de suicide ou autre, on voit les gens expriment à un moment donné le fait qu'ils n'arrivent plus à penser. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à produire du sens par rapport à la pression et l'impasse, le sentiment d'impasse, d'incohérence, de non-sens dans lequel ils sont et qu'il y a quelque chose qui se bloque et qui les met dans une impasse terrible parce que c'est au moment où justement ils ont besoin le plus d'essayer de comprendre ce qui leur arrive qu'ils sont comme dans une espèce d'inhibition totale de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur. Et parmi les raisons, Catherine Kokowska exprime en particulier la contradiction dans laquelle elle est entre deux identités. L'identité de l'éducatrice formée aux sciences humaines qui choisit ce métier pour sa mission première, protéger les enfants en danger, c'est ce qui fait sens pour elle, et l'identité de la fonctionnaire d'État qui a gravi les échelons d'institutions et doit mettre en œuvre la réforme de l'État dont elle estime qu'elle remet en question sa mission éducative. C'est ce conflit de loyauté qui m'a fait passer de l'autre côté du miroir, dit-elle. Ma tâche est de diriger un département, de mettre en œuvre les consignes de mon administration. Or, mes idéaux, ma conception de la République, du bien commun, de l'intérêt général, des missions de la PJJ, m'ont paru de plus en plus en complète contradiction avec ce qui m'était demandé. Si je prends ce témoignage, c'est parce qu'il est très simple, il est très clair, et que dans tous les situations que j'ai pu analyser à France Télécom, à la Poste, dans la police, aujourd'hui dans l'université, à l'hôpital, où j'ai retrouvé les situations que j'avais pu
pu rencontrer à IBM, à Rank Xerox, etc. Il se passe quelque chose du même ordre que ce que Catherine Kokowska décrit. C'est-à-dire, tout d'un coup, hein, les paradoxes dont je parlais fait que la personne est comme totalement clivée entre, d'un côté, ce qu'on exige d'elle en termes d'adaptabilité, de mobilité, de flexibilité, d'objectifs à remplir, de management par projet, etc., pour pouvoir faire son boulot tel qu'il est attendu par le management, par l'entreprise, etc. Et puis quelque chose en elle qui dit, mais ça n'a pas de sens. Par rapport à les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier-là, ou par rapport à ce que la façon dont je l'ai exercé pendant des années et des années, tout d'un coup, il y a ce sentiment que je suis pris dans un paradoxe total qui est de dire, pour être reconnu, il faut que je fasse un certain nombre de choses qui sont en contradiction totale avec ce qui fait sens pour moi et ce à quoi je crois profondément et ce qui me donne effectivement une satisfaction par rapport au travail dans lequel je suis. Je pourrais parler longuement de l'évaluation, par exemple. Je ne vais pas parler pour vous, mais moi comme chercheur, par exemple. Quand on me dit que je vais être évalué en fonction du nombre d'articles que j'aurai publiés dans les revues classées AAA. Quel sens ça fait pour un chercheur? Je peux vous donner un exemple. Je m'excuse de parler de moi, mais j'ai été sollicité par une des plus belles revues du monde de la gestion qui s'appelle Business Ethics pour faire un article parce que justement, il s'intéresse à ce qui se passe en France et ce qu'on fait au laboratoire de changement social, ce que je viens de vous raconter là par exemple. Et puis à partir du moment où moi j'ai accepté parce que j'ai un copain dans le labo qui est prof à l'ESCP, l'école supérieure de commerce, et je vous expliquerai pourquoi lui était très motivé pour faire cet article. La première chose, donc à partir du moment où j'ai accepté, je suis rentré dans un processus d'évaluation où les rewriters, comme ils disent, vont évaluer ce qu'on produit. Évidemment, tout ça se passe en anglais. La première chose qu'on m'a demandé pour réviser mon article, c'était de citer une bibliographie anglo-saxonne. Alors, voyez le processus, c'est-à-dire que si je veux pouvoir publier dans cette revue, il faut que j'intériorise l'exigence de citer la bibliographie anglo-saxonne, qui sont en fait les ouvrages publiés par ceux qui vont évaluer l'article que je fais. Il n'y a pas besoin d'être un chercheur pour comprendre que si je ne fais pas ça, c'est que je suis vraiment, je comprends rien, quoi. C'est-à-dire, il faut que j'évalue, non pas par rapport à la pertinence du travail scientifique que je fais, mais par rapport aux paramètres sur lesquels je pense que je vais être évalué. Or, évidemment, une de mes luttes, moi, c'est de dire que on ne peut pas publier en anglais parce qu'on ne pense pas de la même façon en anglais et en français, en termes sociologiques, par exemple. En particulier, sur la critique, justement, des sciences de la gestion et de l'idéologie managériale. Donc c'est un combat, c'est un vrai enjeu scientifique et politique. Mais voyez que si je veux être reconnu et être bien évalué comme chercheur, je dois donc intérioriser les paramètres sur lesquels je vais être évalué, quand bien même ces paramètres sont contradictoires avec le sens que je donne moi comme chercheur aux recherches que je fais. Deuxième chose, bon, pendant un an, en fait, j'ai eu 39 versions de cet article. Ça veut dire que pendant un an, je ne fais plus de travail scientifique, puisque le travail scientifique, il est fait dans la première version. Je fais du travail de normalisation, ce qu'on appelle dans le jargon managérial, l'adaptabilité, la flexibilité pour m'adapter. Effectivement, il faut bien comprendre que maintenant la recherche est globalisée, que ces revues, elles sont mondiales, etc. Et que si je ne fais pas l'effort de m'adapter à ces prescriptions, eh ben, c'est que il ne faut pas que je m'étonne après si je vais être marginalisé, exclu. Et la troisième remarque que je voudrais faire, c'est pourquoi mon collègue que j'aime beaucoup de l'ESCP, l'École supérieure de commerce européenne maintenant, qui est arrivé devant HEC maintenant dans le classement des bonnes écoles de commerce, etc. De la même façon que moi, publiant
comme chercheur publiant dans des revues comme celle-là, je vais rapporter des points à mon université qui va gagner des points sur le classement de Shanghai. Mais comme les écoles de gestion sont bien en avance sur les universitaires dans la compréhension de ce modèle-là, ben j'ai appris que mon cher camarade avait une prime entre 2000 et 6000 euros à partir du moment où il publiait un article dans les revues classées AAA. Parce que les écoles de gestion ont bien compris que ça leur rapportait aussi des points à elles, donc elles avaient tout intérêt à intéresser leurs enseignants-chercheurs pour publier. Et donc j'ai compris pourquoi il était si motivé, mon petit camarade, pour faire cet article. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des simples outils de gestion. Vous voyez comment ça change profondément le métier de chercheur, le sens du métier, etc. Je sais, pour avoir analysé un certain nombre de situations à France Télécom, que la plupart des... Et c'est là-dessus que j'aimerais bien... Sur deux points, j'aimerais bien conclure et discuter avec vous. Dans toutes ces... Il y a quelque chose de paradoxal et à la fois de très très émouvant et très dramatique, pathétique, hein, dans la question des suicides. C'est cette question que tous les témoignages vont dans le même sens. À un moment donné, les gens sont pris dans une impasse, ils ne comprennent plus ce qui leur arrive, ils se sentent, hein, comme enfermés dans quelque chose qui est destructeur pour eux. Et cet enfermement, d'une certaine façon, ils y participent parce qu'ils s'isolent, etc. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont été dans la performance, ont été reconnus, ont eu des bons résultats, etc. Et puis, à un moment donné, il y a, hein, comme un pas de vis qui la vis ne fonctionne plus, ça se met à se gripper. Et la spirale, au lieu d'être une spirale vertueuse, du côté de l'excellence et de la performance, devient une spirale destructrice, et en particulier, hein, l'intériorisation du fait, ben, je ne sais pas, je suis pompé, je suis vidé, de toute façon je ne comprends plus, etc. Puis j'essaye quand même, et puis j'y arrive pas, et puis il y a quelque chose qui fait que, je me souviens d'Antonio et Renaud qui rentraient de plus en plus tard le soir pour essayer de faire le boulot, qui partait de plus en plus tôt le matin, et puis qui dormait plus la nuit, et puis il n'en peut plus, et puis il dit, il intériorise le fait qu'il n'est pas bon, qu'il est nul, parce qu'il n'arrive pas justement à répondre à ses exigences, etc. Et dans le suicide, il y a quelque chose de terrible qui est que c'est comme si cet acte-là, il voulait redonner du sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Et voyez le paradoxe total, puisqu'il n'y a rien de plus insensé que de mettre fin à ses jours, pour résoudre des problèmes que l'on peut vivre, et en même temps, quelque part, par leur suicide, ils essayent de redonner du sens à quelque chose qui leur est arrivé. Et pour moi, ça évoque ce que j'ai mis d'ailleurs en introduction de mon livre, avant même tout ce qui s'est passé à France Télécom, à Renault, etc. J'ai commencé mon livre par l'évocation des suicides des bonzes pendant la guerre du Vietnam. Et McNamara, qui était donc patron du Pentagone, donc qui était responsable du côté américain de mener la guerre du Vietnam, avait dit, si les Américains ont perdu la guerre, ce n'est pas sur le plan militaire, mais c'est à cause de ces suicides des bombes. Et ces suicides, c'était quoi? C'était de dire, il y a quelque chose de destructeur là qu'il faut arrêter, et comme on ne peut pas l'arrêter, ben... Moi, je suis dans cette contradiction, hein, de redonner, et en particulier, je m'excuse, je ne voudrais pas être confus là-dessus, en particulier, vous avez vu que certaines formes de suicide, que ce soit d'ailleurs à France Télécom, hein, un des préventeurs des risques psychosociaux qui s'immole par le feu en bas de l'immeuble à Bègle, si je me souviens bien, ou cette prof de maths, hein, qui fait son cours de maths et qui, devant ses élèves, pendant la récréation, s'immole par le feu, et sa dernière phrase, en se tournant vers ses élèves, elle dit « c'est pour vous ». Comment on peut comprendre ces actes-là si on ne comprend pas que, quelque part, ça, au-delà des problèmes personnels des personnes, ça exprime quelque chose de dire « c'est pour vous », c'est-à-dire « regardez ce qui se passe, il y a quelque chose de profondément destructeur qu'il faut arrêter ». Et pour moi, ça évoque
la question du capitalisme. Schumpeter, un grand économiste, disait que la force du capitalisme, c'était le principe de destruction créatrice. Ça veut dire que le capitalisme détruit ce qui produit, etc., pour pouvoir produire quelque chose de nouveau qui apporte plus de valeur que ce qui a été détruit. Eh bien, me semble-t-il, on assiste actuellement à un renversement de ce principe qui fait que le capitalisme, c'est plus la destruction créatrice, c'est de plus en plus la création destructrice. Et j'en vois trois symptômes. La destruction des ressources naturelles de la planète. La crise, je ne développe pas. La crise financière, ça veut dire que la disjonction entre ce qu'on appelle l'économie réelle, l'économie de production, et l'économie financière qui est déterritorialisée, fait que l'économie financière est en train de détruire l'économie de production et l'économie réelle. Et le troisième symptôme, c'est les risques psychosociaux. C'est-à-dire ce sentiment que les individus, les employés, les salariés vivent que le travail est devenu destructeur. Et qu'au lieu que ce soit le lieu de la réalisation de soi-même, le lieu où on permet de produire une œuvre, de produire quelque chose qui fait du sens, de produire quelque chose qui fait du sens pour la société, toute cette transformation qui traduit maintenant l'activité, non plus par rapport à ce qui est en termes de production et du sens de cette production, mais en termes d'indicateurs financiers qui mesurent la rentabilité de ce qui est produit, uniquement en termes financiers, à quelque chose de destructeur. Et le deuxième point sur lequel je voudrais discuter avec vous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et ce qui me paraît être une contradiction au cœur de l'action syndicale aujourd'hui, c'est d'une part, pour garder le contact avec l'ensemble des employés et des salariés, si les hypothèses que je vous propose sont justes, ça veut dire que, de la part des syndicalistes, d'être à l'écoute de ce mal-être, de cette souffrance, avec cette difficulté dans laquelle ils sont confrontés, surtout si c'est des militants qui sont battants, qui sont habitués à la lutte, qui sont habitués à l'affrontement, à la négociation avec les patrons, à la mobilisation, etc. Donc qui sont formés dans la lutte et dans la traduction et la culture syndicale du combat, etc. Ils ont le sentiment qu'il faut qu'ils se transforment en psychologue, en assistante sociale, en coach. La plupart du temps, ils n'ont pas été formés pour ça. Et deux, ça les met en grande difficulté parce que ça les met aussi en fragilité parce qu'ils vivent exactement les mêmes symptômes. Ils vivent exactement le même mal-être. Et donc, d'une certaine façon, ça les fragilise un peu plus. Et en même temps, ils voient bien que s'ils ne font pas ça, ils vont se couper encore plus, je dirais, du cœur de ce qui se passe au niveau des conflits du travail aujourd'hui. Et la deuxième difficulté dans laquelle ils sont, donc, c'est qu'ils voient bien qu'il y a besoin d'une aide et d'une réponse et d'une écoute au plus près du vécu, de la souffrance des gens, donc quelque chose qui est dans le personnel, dans le psychologique, etc., par rapport à des problèmes qui ne sont pas médicaux ou psychologiques, auxquels on apporte aujourd'hui des réponses médicales et psychologiques, mais dont les causes sont au niveau de l'organisation, au niveau de la politique de l'entreprise et au niveau économique. Et donc ils sont dans cette espèce de contradiction d'avoir apporté une réponse vécue comme étant centrée sur la personne, comme étant psychologie, par rapport à un problème dont il faut absolument, j'espère que ce que je vous ai dit vous en aura convaincu, remonter aux causes qui sont des causes économiques et des causes liées au mode d'organisation, aux outils de gestion, etc. Et donc, il y a une vraie difficulté là, qui est par exemple, comment apporter une réponse psychologique en dépsychologisant les problèmes qui sont d'abord rencontrés au niveau psychologique. Comme dit le proverbe indien, à ceux qui sont affamés, il faut donner à manger, à ceux qui ont faim, il faut apprendre à cultiver la terre. À ceux qui sont dans le mal-être, il faut apporter un soutien personnalisé, psychologique, médical, etc.
Mais à ceux qui sont dans le mal-être aussi, il faut apprendre à voir que les conflits qu'ils rencontrent à un niveau personnel, c'est pas eux qui sont responsables et qui sont mauvais, qui sont nuls et qui remplissent pas leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas su s'adapter, parce qu'ils n'ont pas su être flexibles, etc. C'est les exigences de l'organisation qui les mettent en difficulté et qui les mettent en quelque chose qui est destructeur pour eux, sauf justement, et c'est là l'attente à mon avis massive aujourd'hui par rapport aux syndicats, c'est de remettre du collectif et du politique par rapport à cette question du mal-être au travail. Je vous remercie. Bravo. Merci. Merci, monsieur de Goléjac, qui a su, je pense, expliquer, mettre des mots sur ce que beaucoup d'entre nous ressentons profondément. Il explique en termes clairs vraiment ce que l'on vit. Hein. Donc, on va prendre quelques questions, si vous voulez bien. Oui, bien sûr, évidemment, je crois qu'on partage tous ce constat que vous avez fait, c'est une évidence. Rapidement... Il y avait un livre aussi que tout le monde doit connaître, plus ou moins, c'est La servitude volontaire, qu'il faut toujours combattre, évidemment. Saint-Exupéry disait, ta différence, loin de me gêner, m'enrichit. Et je crois qu'il faut qu'on, justement, on combattra ce que vous avez parlé, les uniformisations les unes derrière les autres. Et pour faire très court, je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Le respect mutuel, la tolérance mutuelle, être à l'écoute de l'autre. Je crois que si on retravaille là-dessus, et chacun individuellement déjà en premier lieu, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose, mais c'est cette notion de respect, quelle que soit notre situation dans une entreprise, en famille ou n'importe où, avec nos conjoints, respect, mais mutuel. Respect, c'est pas que dans un sens. Et la tolérance, c'est pas que dans un sens, sinon il y a des maisons pour ça. Merci. Si. Oui. Je voulais rappeler, toute l'analyse que vous avez faite préalable, nous n'y sommes pas, enfin, nous parle, puisque vous le savez, le syndicat était fondateur de l'Observatoire du stress, et qu'au sein de cette structure, enfin, si Pierre Morville est là et qui en est fondateur, il en parlera mieux que moi, mais au sein de cette structure, nous avons travaillé avec des sociologues, et des politologues. Donc on a pu faire des analyses assez fines et multidisciplinaires qui rejoignent celles que vous faites et que vous avez certainement visiblement commencé avant nous. Mais en tout cas, ça nous parle, c'est déjà ça. Et alors que faire sur la question que vous dites que faire comme vous le dites aussi, c'est pas évident. Parce que premier constat, on a eu beau... mettre ça en débat public, notamment à l'Observatoire, où on a médiatisé les suicides, après, peut-être pas un long débat, mais en débat, fallait-il le faire ou pas, on s'aperçoit aujourd'hui qu'à la Poste, se reproduit exactement, mais exactement, le même processus, comme si tout ce qui avait été dit et débattu autour de France Télécom n'existait pas, ce qui est vraiment positivement dramatique. Et deuxièmement, sur l'idée, évidemment, face à cette individualisation délétère du management que vous dénoncez, réintroduire du collectif, oui, bien évidemment, on essaye, mais c'est pas évident. Alors, j'y vois deux raisons. Un, les cas individuels qu'on aide. Et alors, le progrès, c'est qu'avant, les gens n'osaient pas dire qu'ils étaient mal, et qu'on a pu voir que, suite à tout ce qu'on a mis en œuvre ces dernières années, les gens osent le dire et viennent vers nous. Déjà, c'est pas mal. Ceci étant, curieusement, quand vous faisiez le parallèle entre ce qu'était l'action syndicale avant et ce qu'elle est aujourd'hui, je dirais, je sais pas si mes collègues sont dans le même cas que moi, mais curieusement, les gens, quand ils viennent vers nous individuellement pour qu'on les aide, ne veulent surtout pas qu'on se mette en évidence. C'est-à-dire, on reste des coachs, on reste discret dans les coulisses, on les conseille, on leur rappelle les accords signés qu'ils peuvent mettre en évidence pour se défendre, le code du travail, les acteurs dans l'entreprise qui peuvent les aider. Mais surtout, faut pas qu'on se mette en évidence parce qu'ils ont peur du conflit, ils ont peur de se griller, ils ont peur d'être mal vus et d'être encore
encore plus mis à l'écart. Donc, le passage de l'individuel au collectif tel qu'on le souhaite, quand on a des cas individuels, n'est pas évident du tout. Et deuxièmement, pour que notre action collective porte, encore faudrait-il que, quand on porte collectivement cette souffrance dans les instances collectives comme les CE, que la direction en face veuille bien l'entendre. Or, aujourd'hui, en caricaturant à peine, on peut dire qu'en face, on est toujours dans le déni, on y revient sans arrêt, du lien entre la souffrance et l'organisation du travail. On a l'impression que l'argument qui prévaut, c'est pas une impression, mais l'idéologie qui sévit chez nos représentants et qui est toujours la même et qui a toujours été là depuis le début et qui est prête à ressortir à tout instant, c'est si quelqu'un va pas bien, c'est qu'il est fragile. Et ce combat collectif qu'il faut mener contre la direction pour essayer de lui faire entendre un peu raison, il est aussi impossible parce qu'en face, les ouvertures pour que ce dialogue s'établisse et que quelque chose d'autre se pointe dans les organisations, il est impossible. Oui, merci. C'est vrai que je voudrais dire que ce que vous avez fait à l'Observatoire du stress est quand même très très important. Sans doute pas suffisant, et vous en faites vous-même l'analyse. Mais ce que vous avez dit déjà, que les gens quand même, avant, les gens n'osaient pas dire, maintenant ils osent, c'est déjà quelque chose de tout à fait important. Mais vous mettez bien en avant une des difficultés à remettre du collectif. J'ai un étudiant qui fait sa thèse là-dessus en ce moment et qui est allé interviewer Jean Auroux pour lui demander le diagnostic qu'il faisait sur le fait qu'est-ce qui fait que ces lieux-là d'expression des salariés, qui auraient pu être un lieu de remise du collectif et de permettre justement, plutôt que de renvoyer chacun à son mal-être personnel, de développer une mise en commun de ce mal-être pour mettre en évidence qu'elle était liée à la transformation des organisations, etc., et déboucher donc sur une critique des pratiques de management et des outils de gestion utilisés, etc. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Pourquoi ça n'est pas devenu ce lieu-là ? Et Jean Auroux dit deux choses. Un, les patrons étaient contre et ils ont torpillé. Et ils ont torpillé ça d'une façon très intelligente, en transformant et en utilisant en fait ces groupes d'expression des salariés en cercles de qualité. C'est-à-dire ils ont récupéré par la novlangue managériale, en disant on va effectivement améliorer, sous-entendu la qualité, c'est comme les risques psychosociaux. On ne sait pas les risques pour qui, pourquoi, etc. La qualité, c'est la qualité pour tout le monde et personne ne peut être contre la qualité. Mais la deuxième explication, elle rejoint ce que vous dites. Il y en a une autre. Il y avait un certain nombre de syndicats qui étaient contre, parce qu'ils avaient peur aussi d'être dépossédés d'une certaine façon de leur pouvoir. Et ça, je pense que c'est une réflexion. Je ne veux pas prendre parti là-dessus, mais qui est quand même très très intéressante. Et puis la troisième raison, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que les salariés n'avaient aucune envie d'exprimer au sein de l'entreprise, dans des groupes, le mal-être dans lequel ils étaient, de parler d'eux, etc. Ça ne se fait pas à l'entreprise. Et même, c'est très, très ambigu. Moi, je peux vous dire, comme intervenant et tout, que je ne suis pas du tout favorable au fait que, à l'intérieur, l'entreprise, effectivement, n'est pas le bon lieu pour permettre aux gens de faire une thérapie par rapport à leur mal-être, leur malaise, leurs problèmes personnels, etc. Et que c'est pas le bon cadre pour faire ça, et que j'ai une étudiante qui a fait sa thèse, Valérie Brunel, sur les cabinets de consultants qui utilisent les techniques de développement personnel pour permettre justement d'améliorer le bien-être au travail des salariés. Il y a là-dedans une instrumentalisation de ces techniques-là et un risque de manipulation des salariés qui attendrait de leur entreprise encore plus, non seulement elle les met en mal-être, mais elle attendrait d'elle apporte des solutions par rapport à ce mal-être. Et que là, ça crée beaucoup de confusion. Et donc, c'est très, très délicat d'aborder cette question-là. Et en même temps, si on est d'accord avec l'analyse de l'internalisation des contradictions de l'organisation, ça veut dire que c'est bien aussi dans l'entreprise qu'il faut faire ce travail d'extériorisation par la parole, mais par d'autres dispositifs méthodologiques aussi, pour
que les gens ne le vivent plus comme un mal-être personnel et comme un problème personnel qui est largement, et vous avez tout à fait raison, entretenu par la direction, bah c'est les gens fragiles, ils ne sont pas à leur place, bah ils sont vulnérables, et en plus on va les aider, quoi. Et en plus, on va mettre un numéro vert, et comme ça, et puis on va rendre les managers vigilants, et puis on va développer les séminaires de gestion du stress, et comme ça, le problème sera résolu. C'est pour ça que je pense que votre action est tout à fait nécessaire, et qu'elle doit se situer à trois niveaux en même temps. Il faut effectivement être à l'écoute, et ce que vous avez dit sur l'écoute est très très important, parce que c'est quand même... D'encourager la possibilité d'une parole par rapport à ça et d'une parole qui ne soit pas renvoyée à un problème thérapeutique, c'est-à-dire comme si je ne vais pas bien, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. J'étais très fier, moi, du premier mail que j'ai reçu, quand j'ai publié La société malade de la gestion. Le jour de la sortie du livre, je ne sais pas par quel... Comment elle l'a eu ? Une femme me raconte toutes ses difficultés et elle termine en disant « Je vous remercie parce qu'en lisant votre livre, je me rends compte que ce n'est pas tout dans ma tête. » Donc ça, ce travail-là, de permettre aux gens d'exprimer une parole par rapport au mal-être pour que justement, ils puissent rencontrer d'autres qui vivent la même chose, se rendent compte que ce n'est pas un problème personnel, mais que c'est lié à quelque chose qui les dépasse, est tout à fait important. Le deuxième niveau, c'est celui auquel... ce qu'a fait l'Observatoire du stress, et c'est de développer effectivement la possibilité d'espace de réflexivité collectif à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, au sein du syndicat, ou d'utiliser tous les moyens à disposition pour effectivement permettre une remobilisation collective par rapport à ce problème-là. Mais ça ne peut se faire que s'il y a un combat idéologique et politique majeur et frontal sur justement la bataille idéologique par rapport à la novlangue managériale, par rapport à ce déni dont vous parlez. J'ai été consulté par l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, le gouvernement, c'était la droite, etc. Beaucoup de gens sont conscients que ce déni est absolument pas possible. Au sein des entreprises, au sein des directions, au sein des DRH, etc. Ça reste très profondément minoritaire. Mais ça va au-delà de la droite et de la gauche. Et c'est ce que je disais au début qui moi, me rend tout à fait perplexe. Hein, c'est-à-dire, et je vois comment mes collègues sociologues, même spécialistes de ces questions-là, réagissent par rapport à la loi de rénovation de l'université, où ils sont dans un aveuglement total par rapport à ça, et qui sont capables de tenir le même discours que les patrons, en disant « Ah ben oui, elle est tombée malade. » Moi, j'ai 4 personnes dans mon UFR qui sont tombées malades depuis la RRU, dont 2 en arrêt de longue maladie et un AVC dont on ne sait pas comment il va se terminer, dans le personnel administratif. 4. Et mes collègues, qui sont censés avoir leur capacité d'analyse, etc., sont dans un aveuglement et un déni total par rapport à ça. Donc je pense que c'est pour ça que je viens vous rencontrer et que j'ai envie de vous entendre aussi là-dessus, parce que là, nous avons une bataille politique et idéologique à mener. C'est pour ça que j'ai publié le manifeste pour sortir du mal-être au travail, où j'essaye de développer comment en sortir, parce que je pense que c'est de ma responsabilité comme intellectuel et universitaire, pas seulement de donner des outils d'analyse pour comprendre ce qui se passe, mais aussi d'en tirer des conséquences en termes d'engagement politique et idéologique. Et donc moi, je pense que ce que vous avez fait partie de cette bataille-là, mais c'est vrai que je regrette parfois, et je l'ai dit, je veux dire, j'ai été invité par la FSU, par la CGT, par FO et par la CFDT, donc je n'ai pas peur de le dire, que je trouve parfois les centrales syndicales un peu frileuses par rapport à ce combat qui me paraît tout à fait prioritaire. Une petite question dans l'autre salle, s'il vous plaît. Oui. Oui, monsieur le professeur, notre syndicat a 14 élus en commission de réforme de France Télécom. Et ces 14 élus font un constat qui est à la fois intéressant et dramatique. Il est intéressant sous l'aspect que France Télécom reconnaît aujourd'hui qu'à un grand nombre de personnes, l'influence des conditions de travail sur des maladies psychiatriques non listées par la Sécurité sociale et leur attribut des pensions
qui sont en général de l'ordre de 10%, hein, au titre d'une maladie professionnelle. Et l'autre aspect, c'est que le nombre est inquiétant, puisque nous estimons entre 100 et 150 personnes par an, donc le nombre des collègues qui sont affectés de maladies psychiatriques. Hein. Et donc, ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est que ces collègues-là sont parfois dans la salle, et viennent nous voir, donc nous, membres de la commission de réforme, et nous disent clairement, j'ai un problème psychiatrique. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment important, parce que ils ont compris qu'ils ne sont pas responsables de leur situation, et que le fait générateur de leur maladie psychiatrique, eh bien, les conditions de travail à France Télécom. Alors, on entend, bien sûr, le fait que nous ne sortirons de cette situation que par un combat idéologique et politique, mais il faudrait que vous nous en disiez un peu plus long, c'est ça ma question. Comment transformer ce constat qui est maintenant patent, hein, c'est-à-dire le système de gestion de France Télécom est pathogène, hein, comment le transformer de façon à lutter pour abolir ce système? Je vous remercie. Oui, deux remarques, ou peut-être trois. La première, c'est terrible ce que vous dites. Parce que beaucoup de gens, pour se protéger aujourd'hui, sont obligés, je mets obligé entre guillemets, de tomber malade. C'est une protection, c'est un mécanisme de défense. Mais voyez en même temps le paradoxe de ce que vous dites, hein, quand il dit que 150 collègues sont affectés, le terme est intéressant, de maladies psychiatriques, et en même temps ils savent que leur maladie, elle n'est pas liée, elle est liée à quelque chose de pathogène dans France Télécom. Alors comment des psychiatres peuvent dire, hein, faire de la nosographie psychiatrique en disant qu'ils ont une maladie? S'ils ont une maladie, c'est eux qui sont malades. Et dont les causes, ce n'est pas eux, hein, mais c'est effectivement le système dans lequel ils sont. Et là, il y a une contradiction évidente qui fait que les psychiatres et les psychologues acceptent de faire ça pour protéger les gens, donc ils font leur boulot. Et en même temps, les protégeants de cette façon-là et les gens qui participent à ça participent en même temps à psychiatriser des problèmes qui sont des problèmes sociaux. Et ça, je veux dire, comme sociologue clinicien, je rends hommage à Robert Castel, par exemple, hein, qui est un collègue sociologue qui vient de mourir récemment, qui a bien montré ça dans ses premiers travaux à propos de la psychiatrie, du psychanalysme, etc. C'est-à-dire le risque, hein, qu'il y a à gérer des problèmes qui ont des effets psychologiques comme des problèmes psychologiques. Et donc il faut lutter absolument contre la psychiatrisation, la psychologisation, sans pour autant renoncer à l'aide psychiatrique et psychologique dont ces gens-là ont besoin. Hein, donc je crois que c'est le premier point très, très important. La deuxième chose, il faut comprendre que c'est pas que France Télécom est devenue la figure emblématique d'une organisation pathogène, mais que cette organisation pathogène, elle n'est pas propre à France Télécom. Si on la retrouve à la Poste, on retrouve exactement les mêmes symptômes dans tous les lieux où il y a eu l'importation de ce modèle managérial. Ce qui est caractéristique de France Télécom, c'est la brutalité extrême avec laquelle ça s'est fait, sous la forme du crash management, etc. Bon, vous en avez fait l'analyse. C'est-à-dire, il y a eu là une espèce d'exacerbation de tout ces, la mise en pratique, hein, de ce nouveau modèle, etc., qui a été concentré à un moment donné, accéléré, etc., avec une brutalité particulière. Mais c'est pour ça que je pense que, enfin, l'hypothèse que j'ai, c'est que je retrouve exactement les mêmes symptômes à l'ONF. L'ONF, c'est un des endroits où on se suicide le plus. À l'éducation nationale, la réforme hospitalière, la réforme universitaire, dans toutes les institutions publiques, comme je l'ai trouvé dans toutes les multinationales, hein, et qu'on le trouve dans tous les lieux où on se suicide. J'ai été appelé 30 ans après l'emprise de l'organisation par le comité central d'IBM. Je fais à peu près la même conférence qu'ici. Et à la fin, un syndicat, donc il y avait tous les syndicats. Et ils me disent en catimini, vous savez,
se suicide plus qu'à France Télécom. Alors je leur dis, mais comment se fait-il que ça ne se sache pas? Elle me dit, ah ben non, quand même, on ne va pas écorner l'image de la boîte. Vous voyez, sur l'intériorisation, quand vous parliez de la servitude volontaire, etc. C'est-à-dire, il y a une vraie difficulté qui n'est pas seulement le déni du côté des patrons qui est réel et qu'il faut combattre absolument. Mais il y a cette espèce de difficulté que vous nommez très très bien, hein, à dire les choses pour pouvoir passer du niveau de l'expression des contradictions telles qu'on les rencontre chacun d'entre nous à une critique structurelle qui montre que s'il y a une organisation pathogène, c'est parce qu'elle est inscrite dans le management par projet, dans le management par objectif, dans l'évaluation individualisée des performances, etc. Ce que moi, comme chercheur, j'essaye de faire. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'appel des appels, parce que l'appel des appels, c'est un lieu, et on a eu plusieurs contacts avec aussi les centrales syndicales et tout, parce que je pense qu'il faut qu'on agisse ensemble. L'appel des appels rassemble plus de 80 mouvements, sauvons l'université, sauvons la recherche, sauvons l'hôpital, etc., qui tous font le même constat, et tous disent qu'il faut absolument batailler frontalement, hein, contre ces organisations pathogènes, c'est-à-dire de faire l'analyse de pourquoi ces organisations sont pathogènes, et que c'est bien les organisations qui sont pathogènes et pas les individus qui sont vulnérables, fragiles, et qui tombent, s'ils tombent malades, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de tomber malades, donc il faut les soigner, mais il faut d'abord agir sur les causes. Et les causes, elles sont effectivement dans les outils de gestion, dans les modes d'organisation, etc. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que ni les chercheurs, ni les syndicalistes, ni les politiques, ni les DRH, etc., ne sont formés pour avoir une vision globale, pour montrer les liens qui existent entre les enjeux économiques liés à la rentabilité, etc., les enjeux organisationnels et d'organisation du travail, et les enjeux des risques psychosociaux. Vous avez une espèce de division du travail, des risques psychosociaux, ça serait pour les psychologues, les médecins, quelques coachs, spécialistes et préventeurs. L'organisation, ça serait pour les gestionnaires, et dans les écoles de gestion, il y a peut-être un cours optionnel éventuellement sur la question des DRH où il y a un petit paragraphe sur les risques psychosociaux, mais ce n'est pas central du tout. Et puis les questions du capitalisme, c'est pour les grands économistes, les experts et ceci. Alors qu'il y a un lien étroit entre les deux, et c'est ces liens-là qu'il faut montrer pour mener cette bataille idéologique et politique. Je crois qu'on pourrait écouter très longtemps Monsieur de Gaulle-Jacques. On va prendre une dernière question très courte, s'il vous plaît. Dernière question, j'essaie d'être très court et bref. Effectivement, vous parlez de nouveaux modèles managériels et ce modèle-là qui est générateur de risques psychosociaux au sein de l'entreprise et puis de stress. Voilà, ce modèle-là trouve ses sources, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, dans le fait que l'économie financière a pris l'ascendant sur l'économie productive, illustré parfaitement par les statistiques des pays de l'OCDE, où pendant 30 ans, la part du PIB concernant les salaires a baissé de 10%, et la part du capital a augmenté dans la même période, pendant 30 ans, de 150%. Donc voilà, c'est la lutte des centrales syndicales, je pense, ça se situe au-delà des entreprises, au-delà des branches, au-delà de la France, c'est au niveau européen. Et quelles sont les méthodes et le chemin optimal pour justement influencer les instances européennes, pour voir un petit peu les sources du problème. Parce que le modèle managérial, on peut parler du modèle managérial, on peut le critiquer, mais si on ne remonte pas aux sources, c'est-à-dire cette part du capital qui est de plus en plus importante et qui exige des salariés, des performances extraordinaires et les pousse à s'inscrire dans ce que vous avez appelé l'excellence durable. Donc voilà, la méthode optimale, c'est-à-dire il faut se constituer en lobby, il faut, faut un intersyndical plus fort que maintenant, je ne sais pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Simplement, je voudrais insister sur le fait que par rapport à l'analyse marxiste des causes, la détermination ultime en dernière instance qui serait au niveau du capitalisme et des rapports capital-travail, etc.,
Je crois que cette analyse est à la fois juste et partielle. C'est-à-dire, je crois que vous avez raison, que cette question sur les transformations du capitalisme, et en particulier le fait que le capitalisme financier aujourd'hui peut imposer sa loi à la production, peut imposer sa loi, et qu'il est déterritorialisé, qu'on voit bien l'impuissance des politiques à agir sur ce niveau-là, ce qui, pour moi, ne débouche pas sur le fait qu'il faut baisser les bras, mais bien au contraire, il faut lutter à ce niveau-là et que c'est un déterminant essentiel. Mais ce n'est qu'un déterminant parmi d'autres. Il ne faut pas le prendre comme, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, on ne pourra pas résoudre les autres. Je crois que on est dans une, hein, c'est ce que Edgar Morin disait sur la complexité, on est dans le multidéterminisme, dans le multifactoriel, dans la complexité, et qu'il faut agir en même temps à trois niveaux, ou quatre. Il faut agir au niveau où vous l'indiquez, dans une bataille politique, il faut agir au niveau d'une bataille idéologique. Par exemple, moi je me bats pour qu'on introduise, on réintroduise dans les formations des gestionnaires la sociologie, l'anthropologie, l'économie politique, non pas la psychologie expérimentale, mais la psychanalyse, la psychologie clinique, etc., qui a complètement été évacuée de la formation de ces gens-là. C'est tout aussi important. Et ça, c'est vrai au niveau mondial, d'ailleurs. Se battre au niveau de ce que vous faites avec l'Observatoire du stress, etc., et avec les syndicats pour remettre du collectif, et en même temps être à l'écoute, c'est pour ça que je suis clinicien aussi, du mal-être au plus près de la façon dont il est vécu par les gens. Il faut faire tout ça en même temps. Alors peut-être pas, on ne peut pas tout faire tout le temps, toujours en même temps, mais il faut avoir toujours dans l'analyse la préoccupation d'articuler ces quatre registres les uns avec les autres. Merci beaucoup, monsieur Golejac. Je crois que ça a passionné l'ensemble de nos auditeurs. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, merci pour votre invitation et bonne continuation pour votre colloque.